de salpêtre. Mettre la colombo. Donc, nous revoici pour la deuxième et dernière étape du smoke meat. Oui, alors, qui dit smoke meat dit smoke. Alors ça, c'est des, ce qu'on appelle des smoking chips en anglais ou des copeaux pour le fumage en français. Pas sûr de la traduction, mais bon, on va y aller pour ça. Ça, c'est des copeaux qui viennent de barils qui ont fait vieillir du whisky. Donc pour ça, le nom whisky. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec les copeaux? Ben, on les mouille pour qu'ils brûlent plus lentement. Donc, il faut qu'ils soient mouillés pour se consommer, pour pas qu'ils se consomment tous dans la même 5 minutes. On veut qu'ils brûlent doucement puis qu'ils fument pendant une période d'à peu près... Normalement, ça va fumer pendant à peu près une heure et demie. Mais c'est bien suffisant au niveau de la fumée. Là, on n'a pas besoin de plus de fumée que ça. Là. La fumée, c'est comme le piment fort. Un peu, c'est bon. Trop, c'est pas mangeable. Alright, donc. Alors, voici notre brisket. Il a passé 13 jours dans la saumure. Une couleur quand même. Je vais le mettre ici. Côté viande. Alors, voilà. Quand même regardez, une superbe couleur. Preuve que la température était bien maîtrisée au niveau de la saumure. Si vous voyez qu'elle est un petit peu plus grise, c'est peut-être un peu inquiétant, mais souvent c'est comestible. C'est comestible malgré tout. Là. C'est un début du salpêtre, entre autres, là, d'éviter le botulisme et ce genre de maladie. Léger problème lié à la consommation de ce produit. Mais ici, on n'a aucune crainte à avoir, là, vraiment. Superbe. Mmh. Fait que là, on va la rincer, c'est ça? Oui, on va rincer pour enlever l'excédent de sel et les épices qui sont imprégnées de sel, évidemment. OK. Que vous comprenez, vous, quand vous faites macérer ça, soit que vous faites comme monsieur ici, vous achetez des gigantesques sacs Ziploc dans lesquels la pièce de viande rentre, ou une panne comme ça. Fait que ensuite, ce qu'on va faire, c'est un joli rub, c'est-à-dire une marinade sèche qu'on va lui frotter pour donner cette belle petite croûte qu'on connaît au smoked meat, pleine de saveur. On prend le mélange, même mélange d'épices qu'on a préparé au départ pour la saumure. Sans bon, le colombo. Évidemment, il n'y a pas de colombo, il n'y a pas d'épices ce genre-là, il n'y a pas d'ail. Mais sinon, c'est le poivre et les épices aztèques sans sel. Vous pouvez rajouter une touche de fenouil si ça vous tente. Là, mais honnêtement, le rub, ça sert à ce que votre smoked meat soit beau. Mais la saveur était vraiment dans la saumure, puis dans le 13 jours de saumurage, elle est là, la saveur, là, principalement. Indeed. Ce sera qu'une couche, qu'une croûte de bon. Indeed. Donc voilà. Bon, il y en a qui vont dire qu'il y a beaucoup de gras, puis que c'est pas recommandé par le guide alimentaire canadien. Oui. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Mais c'est dans le gras que se trouve le goût, et que dans le goût se trouve le gras. Alors, nous revoici donc dans le merveilleux parc extension pour parler smoke meat. Oui, donc voici Mama Hen. Alors, c'est un grill de type Kamado. Oui, ici. Donc, on peut régler l'ouverture en air en bas. Et on peut évidemment aussi régler l'ouverture par plus ou moins d'air en haut. Donc, quand on fait un fumage, on restreint la quantité d'air pour que ça brûle lentement, que ça brûle doucement. Une température d'environ 225 Fahrenheit,
225-250, ça peut être plus proche de 200. Il y a plusieurs, il y a autant d'écoles de pensée que de personnes au niveau du fumage, là, mais ça joue dans ces eaux-là. Alors, à part ça, au niveau du charbon de bois, j'aime bien ce charbon de bois-là de mesquite. Alright. Donc, là, nos smoking chips, on les écoute. Voilà. Et puis, les smoking chips vont aller directement sur le feu. Comme ça. Voilà. Ça va y donner un petit coup au feu. Là. Il va y un petit peu d'humidité quand même dans tout ça. Là. Okay. Il va commencer par pas trop l'apprécier, mais après ça, il va en venir à bout. Prendre la main. Une grillade. C'est pas une grillade tout ça, donc ça nous prend un heat deflector, je crois. Au déflecteur de chaleur. Whatever. Quelque chose pour. Puis, on met de l'eau dans la panne pour éviter essentiellement que le gras de la brisket ne brûle quand il tombe dans le fond de la panne. Ah, et maintenant, on met le tout sur la grille. Déjà, la boucane, ça fait aller. Je vais ajouter une petite épice ici. Voilà. Hey, c'est une belle brisket en plus. Hein. Elle a vraiment un beau carré. Tu sais, des fois, il s'étire. Mm-hmm. Et voilà, on met ça. Et c'est parti pour 6 heures. 6 heures à 200 degrés Celsius. Environ. Environ. Et puis là, on ferme un légèrement l'air pour que ça y aille doucement. Comme ça, légèrement, pour qu'il y en ait un peu, mais pas trop. Et... c'est merveilleux. Puis là, ben, malheureusement, ben, tout ce qui reste à faire, c'est essentiellement d'attendre. Donc, ben non, voilà. Ouais. Alors, c'est donc le temps, 6 heures plus tard, de ressortir la bête. Il faut que la température interne du brisket soit à peu près autour de 145-150. Voilà. Donc, c'est le moment de sortir. C'est pleinement cuit. Hein? Et de se délecter! Voilà. Voilà. Le thermomètre fait chaud. Il est chaud, donc on est proche de 145. La façon que, parce que on a, comme on a dit, c'est la magie de la télévision, puis on en a déjà une de prête. Mais en fait, comment on va faire pour réchauffer puis manger cette belle brisket de smoked meat? Ben, ça va être avec la vapeur qu'on va réchauffer les pièces de viande, n'est-ce pas? Ben, ça va au-delà de réchauffer. C'est quand même, faut quand même que ça soit cuit à la vapeur pour environ un bon 2 heures. Là. Fait que c'est quand même assez, c'est une étape qui est pas primordiale, qui est pas courte là. On voit quand même toute l'action du salpêtre, on a une couleur vraiment impeccable. C'est aussi. Oh, évidemment, beaucoup de gras, mais bon, on ne mange pas tout le gras, mais... Ça, vous le gardez, puis vous graissez vos grilles de barbecue avec ça avant de faire des hamburgers, c'est excellent. Oui, tout à fait.